Mesdames et Messieurs, bienvenue à Ça se discute, votre tribune de causerie débat sur des sujets relevant de l'actualité nationale et bien évidemment d'ailleurs. Je suis avec Julio Tormenti, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir au plateau et à tous nos téléspectateurs. Ceci Tonoko, bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir au plateau et à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Ceci Tonoko est administrateur culturel, Julio Tormenti est juriste et puis le journaliste, c'est bien Théodore Moussa, bonsoir. Bien évidemment, rebonsoir, bonsoir le plateau, à nouveau bonsoir aux téléspectateurs. Voilà, les membres du gouvernement viennent de faire 24 heures sur le terrain, en fait. Une journée après donc ce début de la tournée gouvernementale. Qu'observez-vous, Julio Tormenti? Bon, nous sommes un peu plus au fait maintenant, des éléments d'arguments ou d'informations que le gouvernement avait à partager avec les populations. Nous en savons un peu plus davantage, nous en savons un peu plus sur les démarches entreprises et les perspectives d'avenir. Et comme nous l'avions toujours dit ici, c'était aussi pour beaucoup de délégations l'occasion de recueillir, en fait, les préoccupations aussi des populations. Maintenant, quand on parle de population, de quoi s'agit-il? Comment c'est organisé? C'est là, en fait, quelques observations que nous avons pu faire. C'est comme si les gens étaient presque sélectionnés. Pour y à cette séance-là n'était pas des plus libres, ne pas des plus libres. Et donc, il y a vraiment à dire par rapport à l'organisation. Nous avions vu que à la tournée du chef de l'État, que l'on appelait tournée de reddition de comptes à la veille des présidentielles, c'était un peu comme ça. Et nous étions dit, c'est certainement parce que c'était le chef de l'État. Maintenant ici, sur des questions aussi préoccupante que des ministres et des députés se déplacent et qu'on soit amené à avoir une certaine invitation avant d'y avoir accès, ça peut gêner un peu. Une certaine invitation, certainement que, vous savez, le monde, on ne peut pas... Non, le problème également, ces séances sont retransmises sur des radios communautaires. Oui, le problème, c'est que quand on dit sélectif, c'est quoi? C'est que c'est mis dans la main en fait, d'un certain nombre de personnes, notamment des autorités communales et locales, qui appartiennent à un parti politique. Si moi, d'accord, je veux aller à ce rendez-vous-là, je suis obligé d'aller chez l'autorité communale, ou bien si au niveau de l'organisation mise en place pour aller chercher ou aller commander et ce ticket-là. On peut bien même me dire, en fait, et comme ça se passe d'ailleurs, que les cités n'existent pas. Donc, on en donne à ceux qui sont les plus proches. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'était pas aussi libre que ça. Il y aura certainement des gens qui auraient envie d'y aller, mais qui ne seront pas. Vous l'avez bien dit, c'est peut-être une manière de filtrer aussi, pour, excusez-moi, c'est un filtre. Pour ne pas avoir peut-être à un moment donné des opinions, parce que vous l'avez dit, c'est retransmis, à un moment donné des opinions qui pourraient déranger. On a quand même entendu des opinions. Quand quelqu'un dit par exemple qu'il faut mettre en berne les routes et qu'il faut donc satisfaire à la faim de la population, ça c'est un participant qui l'a dit. Donc voilà, il y a toujours des opinions qui sont entendues. Oui, je pense que l'objectif de la tournée, c'est d'aller informer et de récupérer également les préoccupations des populations. Et si cela reste une préoccupation, je pense que la population a dit ce qu'il veut faire comprendre au gouvernement, quand bien même il reconnaît qu'il y a des efforts qui sont faits sur le terrain. C'est pour revenir un peu à la préoccupation de départ, c'est vrai que c'est annoncé que c'est une séance d'explication aux populations et après le relais va être pris par les autorités locales. Je pense que c'est un peu dans ce schéma-là que nous nous sommes retrouvés où l'accès à ces séances-là est peut-être organisé de cette façon où on a vu dans d'autres contrées que pour accéder aux salles, il faut avoir une invitation en bonne et due forme pour pouvoir accéder. Dans un sens comme dans l'autre, nous sommes convaincus que
les ministres qui sont sur le terrain ont un message à transmettre et le message va rencontrer des populations et ces populations vont pouvoir également interagir et apporter les résultats, enfin porter leurs préoccupations aux autorités qui à leur tour rendront compte au chef de l'État qui les a missionnés. Mais il faut que malgré tout ça, il faut que l'accès soit quand même, si j'ai envie et que je n'ai pas une invitation, je peux aller, parce qu'on a dit les populations. Donc, est-ce que les populations se résument aux gens sélectionnés qui sont dans des salles où il faut que ça soit, peut-être on a vu ces premiers jours, il faut que peut-être ils tirent le son de ça et voir dans quelle mesure, pour les prochaines fois, l'accès soit un peu plus libre pour que les gens puissent aller écouter les explications par rapport à la situation, les mesures prises par le gouvernement, pour éviter également des contre-vérités. C'est aussi ça le problème. Donc, le premier jour est parti, les informations sont revenues, des préoccupations sont récoltées aussi de la part des populations. Donc, que la lutte continue et que nous puissions voir à la fin ce qui sera retenu, surtout des préoccupations des populations et des explications données pour comprendre les mesures, les dispositions prises par le gouvernement pour mettre vraiment en parenthèse la cherté de la vie. Très bien. Théodore Moussa ? Non, mais moi, je pense que, pardon, excusez-moi, la tournée a très bien démarré. C'est vrai, nous l'avons évoqué, nous avons fait des supplications et ce que nous avons dit ici les jours précédents, c'est ça qui se passe d'ailleurs sur le terrain où il faut, c'est-à-dire c'est une population cible qu'on a choisie pour cette tournée de gens qui représentent, qui regroupent autour d'eux, qui sont, je dirais, des personnes ressources tout simplement, qui pourront peut-être transmettre le message après à qui de droit autour d'eux. Oui, c'est moi je pense que la sélection, oui, parce qu'il faut parler, il faut le dire, c'est une sélection qui a été faite. Cette sélection est à juste titre parce que, au fait, comprendre qu'il y a une situation, comprendre que le gouvernement a pris des mesures pour amortir le choc qu'on ressent par rapport à cette cherté. Et il faut certaines personnes d'une certaine, je dirais, d'un certain niveau de compréhension pour pouvoir capter et dilater l'information, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, de relayer l'information. Donc, cette sélection, je crois que pour moi, j'y ai pensé. Est-ce que c'est en faisant cette sélection, est-ce qu'on pourrait atteindre la cible escomptée? Est-ce qu'on aura le résultat compté? Pour ma part, j'ai dit oui, parce qu'à chaque étape, on donnait l'occasion aux populations de s'exprimer, parce que vous ne pouvez pas, n'attendez pas, on l'a dit ici la dernière fois, et tout le monde était d'accord autour du plateau, que vous ne pouvez pas venir, quand bien même vous êtes fils du terroir. J'ai entendu le ministre Dossou, Gaston Dossou, oui, et en donnant, par exemple, la situation en Russie et en Ukraine, dit que moi, vous avez la chance que moi, votre fils, j'ai étudié là-bas pendant six ans. Alors, vous ne pouvez pas écouter, c'est-à-dire voir votre fils, le fils du terroir, venir expliquer cette situation, étant très, très proche, le voyant très proche du président, venir expliquer une situation et ne pas aussi les écouter, écouter les populations aussi, je voudrais dire. Et donc, cet exercice a été et continue d'ailleurs et suivra son cours jusqu'à terme. Au fini, ça permettra, au-delà de cette communication qu'on a engagée pour permettre à la population de comprendre le bien fondé de tout ce qu'il y a comme crise et des mesures d'accompagnement qui ont été prises, ce serait l'occasion pour les membres du gouvernement, les députés et autres, de prendre, d'enregistrer les plaintes, d'avoir un tableau de ce que les populations veulent dans chaque localité, quelle est leur intention, la mentalité aujourd'hui, la perception de tout ce qui est fait aujourd'hui par le gouvernement. Je crois que c'est l'occasion pour eux de noter tout ça et peut-être de revoir les programmations, de revoir les statistiques, voir sur quel point, sur quel pion, sur quel levier appuyer aujourd'hui pour quand même
et appuyer les populations. C'est vrai que tout ne sera pas réglé. On ne pourra pas régler à 100%. C'est une question de gouvernance, gouvernance d'un pays, d'une nation. Ça nécessite toute une programmation, toute une réflexion. Moi, pour ma part, je dis, c'est un exercice pédagogique qui marche très bien. On aura le temps peut-être. Bon, c'est tellement, avec ce qui est noté ça et là, c'est tellement qu'au fil, puisque c'est tout de même du 12 au 19, mai 2022. Donc, au fil du temps, c'est tellement les quoi pourraient être corrigés par ailleurs. Parce que quand on vous envoie en mission, on attend de vous un rapport où, dans lequel les populations doivent quand même énumérer un certain nombre de situations qu'elles vivent. Oui, Romuald, je voudrais revenir en fait sur l'effet d'abord, sur le sujet principal. C'est pour dire quoi? En fait, c'est comme si, excusez-moi de dire comme ça, c'est comme si nous sommes en train de passer à côté de la cible. C'est comme si on fait une telle séance et on réunit les gens comme Théodule Lemoyne et vous, à qui on veut expliquer ces choses recueillies, notre clan. Non, nous ne sommes pas la cible. C'est pourquoi il a fallu aller dire qu'il faut aller là-bas. Sinon, on ferait des brochures. Ce qu'on a vu là, c'est quoi? Ce sont les autorités communales, les autorités locales, ceux qui ont une certaine influence dans les zones, comment dire, les chefs traditionnels, ainsi de suite. Je parie. Est-ce que ce n'est pas à juste titre des personnes représentatives? Non, ceux-là ont déjà l'information. C'est pourquoi je dis nous risquons de passer à côté de la cible. Ceux-là ont déjà l'information. Quand on dit qu'on veut informer la population à la base, ce n'est pas ce que je suis en train de voir là. C'est vrai. On ne peut pas réunir toute une population dans une salle, d'accord? Mais on aurait pu peut-être procéder autrement pour dire 200 places, 300 places disponibles, et les 300 premières personnes occupent les places. Il n'y a pas à aller appeler quelqu'un pour aller chercher, en fait, une invitation quelque part. Ça s'est passé pour la tournée. J'ai encore en mémoire celui de Patrice Talon. Ça a été comme ça. C'est, pour avoir cette ticket, excusez-moi, c'est qui tu connais? C'est qui tu connais? Bon, on ne peut pas affirmer ces choses parce que on n'a pas les preuves de ça. On n'a pas les preuves, mais moi, j'ai été invité. Vous êtes juriste. Je sais comment j'ai. Vous êtes juriste. Et donc, tant qu'on n'a pas les preuves, on ne peut pas affirmer les choses. Pour que, en fait, ce qui est en train d'être fait, qu'on ne coche pas, en fait, l'image de ce qui est en train d'être fait. Sinon, les gens qui disent que c'est une tournée beaucoup plus politique ou partisane finiront par avoir raison de nous si nous ne corrigeons pas très vite cette manière de faire. C'est une communication envers la base. Il n'y a pas mille manières. Si les gens peuvent seulement justifier, ne serait-ce que de leur identité avant d'y avoir accès, nous sommes dans une atmosphère où on dit tout le monde est égal. Les 100 premières personnes, les 200 premières personnes ont de place assise et ça finit là. On n'a pas à assez sélectionner les populations. Oui, vous allez dire qu'on va servir de relais. Si on va servir de relais, on va faire des brochures. On va faire des documents de communication à l'endroit des autorités communales locales, à eux qui puissent implémenter ça et communiquer. Mais ici, on a dit on veut communiquer avec la base, on veut communiquer avec les populations. Et ça, ce n'est pas une communication avec les populations. On ne veut plus les réunir dans les mairies ou les arrondissements pour faire des séances d'information. Mais on a dit gouvernement fait une tournée pour aller à la base, rencontrer la population, échanger avec eux et recueillir aussi leurs différentes préoccupations. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir. Très bien. Voilà, ça va certainement se corriger au fil hein, dans ces communes que vous avez, puisqu'il ne s'agissait pas des 77 communes. Très bien. Mesdames et messieurs, nous passons à notre deuxième sujet. Vous avez suivi avec tout le monde, bien évidemment, l'adhésion donc de David Kofi Azza, qui est désormais militant politique. Qu'est-ce que cela a suscité comme déjà commentaire, Cécile Tolkouin? Je pense que le professeur Kofi Azza, dans les arènes politiques, notamment membre du parti Moël Bénin, pour moi, ne donne pas lieu à un sujet de réflexion, parce que Kofi Azza est un citoyen, après tout. Et en tant que citoyen, il a le droit de militer, il a le droit de,
de faire entendre ses opinions dans un parti politique pour pouvoir avancer. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel qu'il puisse exprimer son droit politique et trouver un parti politique qui l'accueille pour qu'il puisse le faire. Et à ses dires, sa vision est claire. C'est de porter justement la vision de sa famille de base, donc la famille des Vaudounons, et la tradition pour que les problèmes qui se retrouvent au niveau de cette corporation puissent être posés et qu'il y ait une voix qui puisse justement défendre ces idéaux-là au niveau politique. C'est son avis, c'est sa position, c'est son droit et je pense qu'on ne peut pas le lui dénier. Voilà ce que je peux faire déjà comme lecture. Première lecture. Voilà. Théodule Moussa. Oui, je salue ici le professeur David Kofi Azah pour son choix. Le choix qu'il a fait en optant pour militer au sein du parti Moël Bélin. Alors, si ça c'est... C'est de son droit, il est libre d'appartenir à n'importe quel parti politique en tant que citoyen, comme Cécile a dit. Maintenant, de mon point, de ma position peut-être d'analyste, et là, peut-être j'enlève la casquette de frère, de vaudou, de tout, et me poser la question de savoir si, comme le professeur David Kofi Azah aussi l'a dit, porter la voix des vaudounons, est-ce que c'est Moël Bénin qui est indiqué pour porter véritablement la voix des vaudounons? That is the question, la question que je me pose. Alors, véritablement, est-ce que c'est avec Moël Bénin? On me dira que oui, il est libre d'aller n'importe où. Est-ce que c'est véritablement du ça? Alors, l'autre, Moël Bénin qui fera véritablement l'affaire. Y a-t-il pas d'autres partis beaucoup plus représentatifs en termes de présence d'élus locaux, des députés, etc., qui pourront, à l'Assemblée, puisque l'Assemblée tient son cours, la 18e législature est toujours en cours, est-ce qu'il n'y a pas d'autres partis qui ont des députés pour un thème clair, qui ont des conseillers qui pourront véritablement faire l'affaire? C'est là, moi, ma grande question. L'autre chose, et on se souvient, et on en a parlé ici, il y a eu un communiqué qui interdisait, et ça, c'est venu du Conseil national. Enfin, du Haut Conseil des... Du Haut Conseil des Rois du Bénin. Du Haut Conseil de qui interdit désormais aux têtes couronnées de participer à des réunions politiques, etc., etc. Oui, quel sens donnons-nous à ce communiqué? Est-ce que David Kofi Azah, quoi qu'on dise, s'il est une tête couronnée et tout, est-ce que c'est le communiqué est sélectif, tout ça? Autant de questions que je me pose, peut-être le débat nous orienterait davantage. Très bien. Des préoccupations, est-ce que cela a suscité aussi des préoccupations à votre niveau, Julio Tormenti? Oui, une seule préoccupation. Je me suis dit enfin. Enfin. Oui, enfin. Parce que vous le trouviez normalement. Je le trouvais déjà l'homme politique. Je trouvais l'homme déjà politique. Il faut pas se voiler la face. Maintenant, au moins, il a formalisé, il a fait le pas, et donc désormais, on sait qui est qui dans la République. Pourquoi vous le trouviez politique? Non, vous voulez que je reparte dans le passé pour... Tout à fait, parce qu'on voudrait bien comprendre s'il était politique avant cette formalisation. Ouais, voilà. Le professeur David Kofi Azah, de par ses positions par le passé, quand nous prenons même sur les aspects du phare, vous savez, beaucoup à un moment donné commençaient par ne plus croire en lui. D'accord? En disant que... Et c'est même sorti même de eux-mêmes leur tréfonds en disant qu'il n'est pas bien séant de manipuler, d'accord, ce qu'on vous a mis en fait entre les mains pour tromper quelque peu en fait comment dire l'opinion. La manipulation du phare. Bon, ça peut être des calomnies, vous savez. Oui, ça peut être, oui. Donc, je n'ai pas dit que c'est vrai. C'est pourquoi j'ai dit que c'est ça là. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire qu'il n'est pas bien séant de manipuler, en fait, les révélations du phare, d'accord, pour tromper quelque peu l'opinion. Donc, en fait, ça peut être un opprobre, d'accord. Ça peut être calomnie, comme vous le dites, mais c'est ce que nous entendons. Donc, on ne peut que... Et c'est vrai qu'à un moment donné, lui-même, d'une certaine façon... à pouvoir justifier cela. J'ai trouvé l'homme
toujours, je le vois dans ses faits et gestes, dans la façon dont il se prononce sur les questions d'intérêt national, je l'ai toujours trouvé politique. Et il ne pouvait aller nulle part si ce n'est pas dans le giron de la mouvance. Donc la question à son niveau se serait posée de savoir où j'irai, où il ne faut pas aller. Donc c'est un bon truc là, comment dire, bon mercato pour Moël Bénin, d'accord. On dira que Moël Bénin n'a pas les trucs là, mais un parti est amené à grandir. Et donc si Moël Bénin enclenche de ces cadres là, donc c'est à son profit, parce que vous savez, au sein du parti même, les gens se sont vraiment vantés. Ce que vous dites, c'était le même jour quand les rois sortaient leur communiqué, le Haut Conseil des rois sortait leur communiqué, qu'il annonçait, et je l'ai évoqué brièvement ici, qu'il annonçait en fait sa déclaration politique, je pense que c'était le 9, quelque chose comme ça, qu'il annonçait en fait sa déclaration politique d'appartenance au Moël. Et j'avais évoqué la question, dit, il faut que de plus en plus les positions se clarifient. Donc désormais, nous saurons qui est David Kofi Azar et sauront prendre en fait ses opinions telles quelles. Et donc, quand c'est comme ça, le jeu est plus clair. Pour moi, il n'est pas bien séant de se cacher derrière des attributs, d'accord, pour utiliser ces attributs-là à d'autres fins. Donc aujourd'hui, je dis que c'est salutaire parce que, comme Todu l'a dit, c'est un citoyen après tout. Donc il a le libre choix d'appartenir à un parti politique. Il a fait son choix, c'est le Moël Bénin, donc nous l'acceptons tel et nous le voyons désormais ainsi comme un militant Moël Bénin. On regarde les ambitions qu'il a, parce qu'il voudrait bien évidemment promouvoir un peu justement sa famille. En fait, est-ce que c'est en étant politique qu'il faut y arriver? En étant dans Moël Bénin, est-ce que c'est l'univers qu'il lui faut véritablement pour pouvoir hisser haut cette famille dont il est? C'est l'opinion dominante. C'est l'opinion dominante de ceux qui ont fait ce revirement-là. Je vais vous donner deux exemples des gens que je maîtrise mieux. Je prends d'abord l'exemple du professeur Joseph Diogwenou. C'est ça. Il dit, vous restez à la touche, vous dites que les gens ne font pas. Vous pensez que c'est ce qui est. Si vous pensez que c'est ce qui est, militez, battez-vous, occupez les places et agissez. Donc, vous ne pouvez pas être toujours à la touche pour indiquer aux autres ce qu'ils doivent faire. Donc, prenez des positions qui vous permettent d'agir. Et beaucoup l'ont suivi et après dans cette philosophie-là. Et je pense qu'en fait, c'est ça la position du professeur David Kofi Azar aujourd'hui. Vous avez toujours dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous n'êtes peut-être de la société civile ou bien peut-être citoyen lambda. Vos lobbies ne vous permettent pas d'influencer le cours des choses. Vous dites maintenant, si je m'engage dans un parti politique, je pourrais faire prospérer en fait mes idées, mes opinions au sein de cette parti politique. Cette parti politique va forcément gagner des batailles électorales. D'abord, même ces opinions vont peser en fait dans les batailles, dans les échéances électorales, quitte à voir quelle est la place que l'opinion publique ou bien les électeurs donneront à ces opinions-là. Donc, le meilleur espace d'expression de ces genres d'opinion de gouvernance ou d'opinion publique, je pense, ça reste les partis politiques. Et donc, s'il veut voir son rêve se réaliser, de dire on va faire ci, on va faire ça, donc il a à militer dans un parti politique. Donc, c'est le seul, puisque en fait, c'est les partis politiques ont pour ambition quoi? De conquérir le pouvoir. Sur la base de quoi? Sur la base des idées développées, sur la base de ce pourquoi ils ont pu convaincre en fait les électeurs. Donc ici, il s'agit de convaincre les électeurs de ces opinions pour voir ces opinions se réaliser et non tenter aujourd'hui de convaincre les gouvernants de lui ces opinions pour que ceux la prennent en compte. Ça sera difficile. Donc ces opinions maintenant iront à l'endroit des électeurs qui donneront une certaine cote, même s'il va à des échéances et peut-être il n'arrive pas peut-être à se faire élire député ou maire ou ceci de suite, mais ses opinions auront été dominantes dans la bataille et certainement ça va faire écho, quel que soit celui qui sera mis à telle ou telle position. Donc, je considère que les partis politiques sont le cadre d'expression des opinions, notamment publiques, qui concourent à la gouvernance. Est-ce que Moël Bénin, le parti politique indiqué pour David Kofi Azar, au regard des ambitions et qu'il a énoncées lui-même? Non, je pense que il est libre, il a fait son choix. Que Moël Bénin ne lui permette pas d'atteindre ou non, aujourd'hui, il n'est pas la question. Sa question ou sa préoccupation, j'entrevois, c'est qu'il faut qu'un jour, il puisse
être dans l'arène politique et dire ce qu'ils veulent faire et faire porter sa voix. À l'analyse des forces, des forces en présence, a priori, on peut dire que Mouel Bénin n'est pas ce qu'il lui faut, parce que les forces en présence aujourd'hui, on les connaît, c'est les deux blocs qui sont là, avec l'opposition à côté. Alors, aujourd'hui, s'il reste dans un parti comme Mouel, il ne pourra pas faire entendre raison. C'est ce qu'on peut dire a priori. Mais il ne faut pas oublier que Mouel Bénin aussi est un parti qui se restructure et qui ne veut pas se laisser vider de son contenu. Et au sein de ce parti, il y a beaucoup de restructurations, il y a beaucoup d'engagements ou de mouvements qui se font aujourd'hui. Donc, ils savent quelles sont les stratégies qu'ils ont en leur sein. Le professeur Kofi Azza, qui adhère au Mouel, c'est clair qu'il est parti pour un objectif. Il y a une stratégie derrière. Nous laissons le temps pour voir comment est-ce que, à partir de cette adhésion, quels sont les changements qui vont s'opérer et quels sont les positionnements qui vont pouvoir être le sien pour qu'il puisse porter davantage les idéaux qu'il veut porter au niveau de l'opinion. Très bien. Théodio, comme ça. La question, tout à fait, c'est bien si ça. Non, je l'avais évoqué tout à l'heure. Moi, c'est cette question que je me suis posée. C'est... Je me la pose, je continue de me la poser. Ne continuez plus de vous la poser, donner la réponse. Est-ce que, pour vous, la famille politique, au regard des ambitions clairement affichées par le professeur David Kofi Azza aujourd'hui, est-ce que Mouel Bénin se trouve être la famille politique indiquée? D'entrée de jeu, en tant que peut-être profane, je dirais peut-être non, si je dois tenir compte de certaines réalités. Mouel Bénin, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'a pas encore un seul conseiller. Ça, et avant de parler de maire, de député, etc., d'emblée, alors qui portera la voix? Parce que ça fait plusieurs années déjà que le professeur David Kofi Azza est en train de mener cette lutte pour la promotion de tout ce qui est nos valeurs endogènes. Il y a très longtemps qu'il est dans le jeu. Maintenant, s'il faut tenir compte de bonnes analyses, faire des projections, oui, parce que tout parti qui est créé, il faut rien minimiser. Il faut pas, ça dit, minimiser les partis politiques. Mouel Bénin, qui, comme Cécile a dit tout à l'heure, en pleine restructuration, veut aller aux élections législatives, puisque c'est la prochaine grande échéance électorale. Et donc, si Mouel Bénin, avec la contribution de David Kofi Azza, qui est un très bon cadre, qui a une densité intellectuelle vraiment inouïe, que ce soit sur le plan intellectuel et dans le domaine du FA, de tout ce qui est valeur endogène, qui pourra appuyer Mouel Bénin pour gagner les élections, excusez-moi de le dire ainsi, parce que chaque élément que vous engagez, chaque élément du genre de la tente de Kofi Azza qui vient vers vous, et vous organisez toute une communication autour, il y a quelque chose à saisir, il y a forcément derrière, quelque chose derrière tout ça. Alors, donc, si la personne même de Kofi Azza, avec tout ce qu'il a comme bagage intellectuel sur le plan traditionnel, parce que là, il faut que je l'avoue, je ne fais pas le culte de la personne du professeur Kofi Azza, il s'y connaît quand c'est les valeurs endogènes, c'est la tradition FA, il s'y connaît véritablement. Je ne vais pas rentrer dans d'autres considérations ou fausses interprétations, non, il s'y connaît véritablement. Alors si tout ça, regroupé de l'homme, peut faire quelque chose à Mouel Bénin, pour engager des suffrages, ça n'a rien à voir avec... le côté intellectuel. Il faut avoir un poids politique. Il faut avoir, attention, il faut avoir un poids politique. Mais écoutez, si vous avez des aptitudes de convaincre, la manière de communiquer et organiser, c'est une organisation politique. Et je crois que peut-être Kofi Azza, le professeur David Kofi Azza, peut aider le Mouel Bénin à porter. C'est-à-dire apporter plus haut la vision du parti, donner beaucoup plus de visibilité, parce que là, ne soyez pas étonnés de le voir désormais, le porte-parole
de ce parti, puisqu'il y a déjà le porte-parole de ce parti sur bien d'autres scènes politiques, sur bien d'autres débats, sur bien d'autres aspects. Je dis aspect intellectuel, traditionnel, l'homme est dedans pour pouvoir donner plus de visibilité à Moël Bénin. Très bien. Chino ? Le professeur David Kofi Azar a fait un très bon choix. Il n'aurait pas fait meilleur choix, en fait. Vous trouvez ? Moi, je trouve. Parce que, voyez-vous, quand nous prenons le parti Moël Bénin, on va dire qu'il n'a pas de conseiller, n'a pas passé. Le parti Moël Bénin, juste là, n'a pris part qu'à une seule élection. Donc, peut-être, je dirais, comme beaucoup, ce n'est pas encore l'occasion de juger ce parti. Ce parti va, un parti se construit dans le temps. Si vous avez, comme le professeur David Kouviaza, des opinions à faire prospérer, c'est dans un parti comme ça, un parti qui se construit, qui cherche à évoluer. Votre opinion sera dominante au sein du parti. Un David Kouviaza, dans l'UP ou bien dans BR, va se noyer très rapidement avec les dissensions. Il ne pourra pas. Non, qui va venir vous laisser la place pour faire ci ou bien pour faire ça, encore que vous êtes, vous êtes nouvellement venu. Toutes les fois, on va vous opposer sur la cause, vous êtes nouvellement venu. Attendez d'abord. Oui, j'ai des opinions, c'est bon, mais attendez d'abord. On va vous indiquer une ligne à suivre. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'état actuel des choses, le professeur David Azar gagnerait mieux à faire prospérer ses idées au sein du parti Moël Bénin. Donc, un parti qui se construit, en fait. L'autre chose à voir, c'est que, vous savez, et ces opinions, je excusez-moi de prendre un peu cet exemple-là. En fait, c'est comme ça que les partis grandissent. Je prends un exemple de quelqu'un qui est à l'actualité en France actuellement, Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, quand à un moment donné au sein du PS, il voit que lui, il a de ses opinions que les Français, à laquelle les Français adhèrent, mais qu'au sein de son parti, ça ne peut pas aller, il s'est rapidement mis à l'écart, il a construit son architecture et ça lui a marché très bien. Il fait partie de ceux qui ont plombé complètement le PS d'antan. Donc, et aujourd'hui, ces opinions sont devenues... Donc, ça veut dire que ça se construit. Il n'y a pas à aller chercher là où tout est déjà fait, d'accord, où on vient se greffer seulement pour avoir une position. Non. D'accord, David Azar, le professeur David Azar, est dans une dynamique de construction. Et le parti Moël Bénin, quand vous le suivez très bien, aussi est dans cette dynamique-là d'avoir les cadres au sein de son parti pour faire vivre le parti. Nous avons appris la dernière fois que j'ai oublié son nom, l'ingénieur géomètre là, nommé récemment directeur de l'IGN. Vous voulez parler de Alain Kiki? Voilà, qui est un cadre du parti Moël Bénin. Donc vous voyez ce que ce parti réussit à faire petitement. Donc sur tous les plans, le parti travaille à grandir. Et c'est ce que nous espérons pour, en fait, empêcher une certaine hégémonie d'un certain nombre de partis. Donc, en fait, la vie politique, ça doit être du retournement. Et quand on parle de l'alternance au sommet de l'État, au sein du même département, dans les partis, pour le rang des partis politiques, la même chose. Un parti est fort aujourd'hui, demain deviendra faible, un autre va devenir fort, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que la retourne. Je pense, en fait, le professeur David Kofi Azar n'aurait pas fait meilleur choix. Le parti Moël Bénin est le mieux indiqué pour lui aujourd'hui pour faire prospérer ses idées et pour aider le parti à grandir. Que deviendra Toffa, Bénin Toffa, alors? Non, Bénin Toffa, c'est pourquoi il était utile de connaître les positions. Oui. Il n'est plus légitime a conduit aujourd'hui ce processus. La vision que nous aurons, peut-être que dans la conduite, nous n'aurons pas de problème, mais la vision que les populations auront de ce processus-là va forcément écorcher, en fait, l'image de la chose. Donc, le professeur David Kofi Azar gagnerait à ne plus avoir les premiers rôles, d'accord, dans cette consultation-là. Donc, d'autres vont prendre le relais. Il est acteur politique, il doit connaître ses limites. Bon, je pense que à toute bonne analyse, Kofi Azar ne pourra plus se retrouver dans cette loge-là pour nous indiquer le Toffa, puisqu'il est désormais homme politique, homme public, et ses opinions sont connues, et donc il ne peut plus nous ramener dans une tradition ésotérique et être là encore. Donc forcément, il doit passer la main et que le processus continue avec d'autres. Des personnes penseraient toujours qu'il serait toujours dans l'ombre pour pouvoir orienter. Le problème à ce niveau-là, c'est quoi? Une fois qu'il transmet la main,
de façon ésotérique, c'est qu'il transmet la main. Il ne peut plus y avoir encore accès à quoi que ce soit. Ça, au niveau de cette tradition-là, les lignes sont claires. Tu ne peux pas bouger les lignes et revenir encore les mélanger. Il ne faut pas mélanger les cartes. Ça, c'est clair. La tradition est là. Si aujourd'hui, il transmet la main, c'est qu'il transmet la main. Maintenant, politiquement, il va faire ses armes. Maintenant, il peut décider aussi de ne plus s'associer à ça. Puisque c'est aussi une stratégie politique, il peut décider de ne plus faire du TOFA un outil pour faire chose. Si aujourd'hui, jusque-là, le TOFA a été un outil pour lui de s'exposer, et qu'aujourd'hui, il a un parti qui lui permet d'être mieux exposé politiquement, il peut décider justement de ne plus faire du TOFA une activité de première ligne et laisser ça à une activité de seconde zone ou laisser d'autres poursuivre le chemin. Encore que ce TOFA n'est pas l'exclusivité du professeur Kofi Azar parce que ça se fait dans beaucoup d'autres couvents ou d'autres milieux. Donc, le TOFA ne peut pas être une propriété exclusive du professeur Kofi Azar quand même aujourd'hui se retrouve en politique. Non, je voudrais rassurer les uns et les autres pour dire... Pas au nom du professeur David Kofi Azar. Pas au nom du professeur David Kofi Azar, mais au nom de ce que je sais, de ce que je connais. D'ailleurs, depuis quelques années, on aurait constaté que, c'est vrai, le professeur David Kofi Azar est l'initiateur du TOFA. J'en sais beaucoup de choses, mais depuis quelques années, il n'est plus au devant de la scène du TOFA, de la consultation annuelle que nous faisons. Depuis, il y a cinq éditions déjà, David Kofi n'est plus au devant. C'est tout un autre collège de Bocono qui fait le travail. Par exemple, le président de ce collectif, de ceux qui s'occupent du TOFA, par exemple, c'est le Bocono Voyon de l'autre côté de Goudoumé. Donc, c'est dire que depuis très fort longtemps, le professeur David Kofi Azar s'est mis à l'écart du TOFA. Au regard de, je crois bien, de certaines supputations, les rumeurs qui ont circulé il y a 3 ou 4 ans par rapport à ça, aux interprétations qui avaient cours. Alors, donc, ça vous dit que, quand même, quand il y a la consultation, j'étais à plusieurs éditions, même les deux dernières, il était là, assis devant, il n'était pas du tout mêlé. Pardon ? Je pensais que vous étiez dans le couvent. Non, puis c'est une consultation publique qui se fait. Et donc, il est là, présent. Il n'interprète même pas, puisque à chaque figure qui sort, on passe le micro aux différents bocons qui sont là. Chacun apporte du sien, chacun interprète. Il l'a jamais fait. Il y a très longtemps qu'il a porté cette fois-là. C'est vous dire que son implication dans la consultation annuelle du TOFA, du Bénin TOFA, n'est plus ce qu'on pourrait penser. Beaucoup plus, parce que peut-être, est-ce que c'est parce qu'il était en train de préparer je n'en sais pas grand-chose, peut-être lui-même il aura l'occasion d'expliquer davantage, mais seulement ce que je retiens et je voudrais partager avec les uns et les autres, c'est que David Kofi Azar n'est plus directement mêlé à la consultation Bénin TOFA. Ce sont d'autres Bocono venus d'ailleurs un peu partout de tout le Bénin qui viennent, qui interprètent et tout. Peut-être qu'on trouverait d'autres hasards, peut-être ses jeunes frères, ses parents, puisque vous savez que quand on parle du FA par exemple, c'est la famille Azar, c'est beaucoup de choses. Et donc on peut retrouver ses frères, ses frères. Mais lui-même, la personne de professeur Kofi Azar, non, dans Bénin TOFA. Comme cela se faisait. Entre le parti Morel Bénin et le professeur David Kofi Azar, qui gagne ou qui gagnera? Le parti Morel Bénin d'abord. Le parti Morel Bénin, parce que vous savez, quoi qu'on puisse dire de l'homme, il y a beaucoup qui croient en lui. Un parti politique, lorsque vous arrivez à faire adhérer des gens comme le professeur Kofi Azar, vous arrivez à donner faire adhérer par exemple un pasteur, vous arrivez à faire adhérer un imam, c'est tout un autre monde que de militants que vous êtes supposé avoir, parce que à l'homme, quoi qu'on puisse dire, il y a beaucoup de sa position, il y a beaucoup qui croient en lui. Donc c'est un bon casting d'abord pour le parti Morel Bénin, maintenant pour le professeur. Donc c'est le cadre d'expression
de ce qu'il veut maintenant, de l'image qu'il veut se donner d'acteur politique. Donc, ce cadre-ci est bien. Donc, dans un contrat, les deux gagnent. Ça veut dire aussi bien le parti Moël BN gagne que, en fait, le professeur gagne. Parce que si ce n'était pas le cas, si les uns et les autres ne voient pas ce qu'ils gagnent, il n'y aurait pas accord, il n'y aurait pas adhésion. Donc, disons que les deux gagnent dans ce délai-là. En tout cas, quelqu'un gagne plus que quelqu'un, en fait. Non. Si quelqu'un n'a pas son intérêt, il ne se retrouve pas avec quelqu'un. Ça, c'est clair. Donc, ils ont eu le temps de soupeser ce qu'ils gagneront avant de faire cette conclusion de contrat pour qu'aujourd'hui, ça soit officialisé. C'est pas aujourd'hui qu'il s'est officialisé que la démarche a commencé. Ils avaient déjà commencé leur tractation en sourdine, leur rapprochement. Ils ont mesuré les pour et les contre, ce que chacun pourra gagner. Et c'est en fonction de ça qu'ils ont conclu maintenant un contrat d'adhésion pour que le professeur puisse adhérer officiellement au parti Moël. De toutes les façons, le parti Moël qui est aujourd'hui en construction a besoin de ses adhérents pour se construire et avoir une large couverture et une présence au niveau national. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, le professeur Kofi Azza veut quitter un point pour un autre, pour mieux faire défendre ses idéaux. Au niveau politique, il trouve un terrain d'expression et un terrain de positionnement. Dans les deux cas, les deux gagnent. Qui plus que qui, je pense qu'on aura le temps de voir. Théodile Oussa ? Je pense aussi, comme les autres, que les deux gagneraient. Mais personne ne veut se prononcer sur le degré de gain. Le degré de gain, ça sera évalué à l'évolution du temps. Et ça sera évolué. Les deux gagneraient. En principe, c'est une très bonne option. D'ailleurs, au-delà de toutes les considérations, s'il faut faire d'autres interprétations, mais vous ne pouvez pas nous sommes au Dahomé, n'oublions pas. Nous sommes des Dahoméens aujourd'hui, Bénin. Dans l'ancien temps, avant qu'un parti, que de grandes décisions. Les autorités et ceux qui dirigent la royauté, avant qu'ils ne prennent n'importe quelle décision, ils se réfèrent à la tradition. Donc, Moël Bénin, dans cette décision, va consulter le FAD désormais d'abord. Non, mais ce n'est pas. En fait, ça fait partie de ce que Moël Bénin gagnerait. Ça fait partie désormais du processus décisionnel. Non, mais si on s'y intéresse véritablement, donnez-moi quelques temps. Si on s'y intéresse véritablement, parce que nous faisons tout comme si de rien n'était, alors que nous avons nos réalités. Alors, c'est en cela que j'ai dit, avant qu'un parti politique, avant qu'un homme politique, en tout cas un décideur de l'intérêt de la société ne décide, il y a cette réalité africaine à laquelle on devrait se référer. Alors, si... Aucun problème, ça dépend de la position qu'on écoute, de la position qu'on occupe ou bien de la manière dont on voit les choses. Non, c'est un peu ça. Vous n'allez pas me dire que le roi, les anciens rois n'ont pas leur consultant, leur bokono, qui leur dit voilà ce qu'il faut faire par rapport à telle décision. Nous le faisons de façon individuellement. Pour ceux qui le connaissent, vous êtes responsable d'une structure, vous voulez engager n'importe, vous allez à cela. Et donc c'est en cela, s'il vous plaît. Donc j'ai dit oui, pour ceux qui le savent, c'est pas tout le monde. En cela, moi je pense que David Kofi Azza peut être très utile à Moël Bénin dans ce cadre-là et bien d'autres. Si nous voulons faire la promotion de nos valeurs culturelles, c'est l'occasion aussi de le faire. Et pour ma part, je pense que les deux gagneraient. David Kofi Azza pourrait, si les responsables de Moël Bénin accordent l'intérêt qu'il faut, je crois que Moël Bénin gagnerait. Et donc c'est un Tofa qui ne dit pas son nom. Elle a dit un peu que le président Chaka Yadi a désormais son prêtre de phare cette possibilité, il faut peut-être pas écarter cette possibilité. Oui, pour le président, oui, mais ça ne peut pas s'incorporer au sein du parti. C'est quoi? Il y a juste pour préserver en fait l'unité au sein des partis.
il faut mettre ces considérations-là sur un deuxième ou un troisième plan, à ne pas le mettre au premier plan. Parce qu'en fait, ce que dit Théodule, c'est vrai, mais c'est une question de croyance. D'accord? Vous verrez, en fait, des religieux qui se cadrent de partis qui vous disent ça, ce que vous dites là, c'est rien. Vous allez voir peut-être des musulmans qui vous disent ça, là, c'est rien. Donc, si on va vouloir mettre ça au premier plan, ça va quelque peu écorcher les relations au sein du parti, ça va créer autre chose. Le président Jacques Ayadi peut en faire son conseiller principal ou son prêtre de phare, je caricature, hein? Son prêtre de phare, d'accord, mais ça, c'est une relation personnelle, ça ne va pas rentrer, ça ne peut pas rentrer, en fait, il faut encore le préciser, dans le processus décisionnel du parti politique. Sinon, on ira modifier le règlement intérieur, d'accord, du parti, pour écrire quelque part qu'il faut consolider le phare, encore que c'est des éléments complètement abstrait, inconnu, à bon nombre dedans, on parlera de manipulation de tout ce dont on peut parler. Donc je pense en fait qu'il faut, oui, le professeur David Kouzaza a une carrue, une renommée nationale, même internationale, il peut engager beaucoup de militants, beaucoup d'adhérents pour le parti, c'est par rapport à sa casquette. Donc le parti doit faire avec toutes les considérations religieuses ou de croyances et ne pas chercher à mettre un en pole position ou bien en position dominante. Sinon, ça risque de créer d'autres problèmes qu'on ne souhaiterait pas. Pour finir. Non, je pense que le professeur Kofi Azza n'est pas parti à Moël pour devenir le consultant de phare personnel du président. Non, il a une autre vision, c'est pour défendre des idéaux. Et je pense que cela ne pourra pas être des éléments à mettre en ligne de compte pour sa nouvelle destination. Sa nouvelle destination est claire, il va en politique pour défendre les idéaux de la religion endogène, la tradition, et pouvoir faire gagner un certain nombre de choses au niveau de cette communauté. Ça, c'est clair. Mais il n'est pas parti pour aller faire Gedegbe. Donc, le processus décisionnel. Le processus décisionnel au niveau de Moël, oui, reste ce qui est dans leur test. Et ils vont pouvoir l'exécuter tel que consensuellement adopté. Très bien. Robert, je voulais apporter un rectificatif, s'il vous plaît. Parce que votre question, c'était de savoir qui gagnerait ou Moël Bénin ou Tout à fait. Alors, donc moi, dans mes analyses, les leviers sur lesquels Moël Bénin pourrait appuyer en la personne de David Kofi Azza, dont le fait, je n'ai pas dit que c'est la consultation uniquement. Non, il y a plusieurs courants religieux au sein de Moël Bénin. Mais je dis, l'homme, professeur David Kofi Azza, serait très utile à Moël Bénin par rapport à cela. Et ne me dites pas normalement, je dis normalement, c'est la modernité qui est en train de tout foutre en l'air. Normalement, ça fait partie de nos réalités, ce que nous sommes en train de dire. Et là, que, un jugement de valeur. C'est la modernité qui est en train de tout foutre en l'air. C'est un jugement de valeur. Ce n'est pas un jugement de valeur, mais ça fait partie de nos réalités aujourd'hui. Donc, nous devons en tenir compte. David Kofi Azza serait très utile à Moël Bénin, j'ai bien dit. Si le parti il accorde l'intérêt qu'il faut. C'est l'utiliser. Je sais de quoi je parle. Parfait. Merci beaucoup à vous, Théodule Moussa. Merci à vous, Julio Tometti. Merci également à Ceci Tonoukouin pour ces échanges nourris. Je sais que ça pourrait donner des idées aux dirigeants de Moël Bénin, pourquoi pas. Merci, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi la tribune de causerie et débat, ça se discute.